professionnel. J'ai joué après une dizaine d'années en équipe de France et j'ai eu la chance de faire deux Coupes du Monde et, de jouer l'Euro 84 et de gagner cet Euro 84 avec l'équipe de France. C'était le premier trophée que l'équipe de France gagnait. Quand on est pris dans un Euro, quand on est pris dans ce genre de tournoi, on a automatiquement on est mis sous globe. C'est-à-dire, tout ce qui est extérieur, on ne le côtoie plus, on est dans notre sujet. On a la chance que si ce groupe fonctionne bien, le résultat peut être derrière. C'est vrai que l'équipe de France part plutôt favori de ce groupe. Je pense que c'est normal parce qu'elle joue à la maison, parce que c'est l'équipe qui a fait les meilleurs résultats ces derniers temps. Savoir si l'équipe de France va bien débuter ce premier match, c'est le plus important pour le tournoi. À 84, l'Euro était en France, nous l'avons gagné. Ils sont dans une obligation de se retrouver dans le carré final, c'est-à-dire pour les demi-finales, de se retrouver, que l'équipe de France se retrouve là. L'Autriche est une équipe qui n'a pas joué l'Euro depuis quelques années. Et qui revient avec une équipe jeune. Est-ce qu'elle va subir la pression du haut niveau, justement d'un tournoi de haut niveau comme l'Euro? Ça, c'est point d'interrogation. On saura quand ils feront les matchs. Mais ils sont dans un groupe, ils peuvent s'en sortir. Il faut que ces Autrichiens soient derrière leur équipe. Ça, c'est clair. Comme les Français, il faut qu'ils soient derrière leur équipe aussi. L'organisation d'un Euro, c'est une victoire pour la France. D'avoir été choisi pour organiser l'Euro, c'est une victoire. Je pense que faut rechercher plutôt le bénéfice, le positif, dans l'organisation, dans tout ce qui va se passer, bien sûr en étant très pointu sur la sécurité. Donc une belle soirée en perspective, avec la victoire de l'équipe de France, j'espère.